façon pour nous calmement finir avec nos étudiants, une façon pour nous prêter ou bien bailler toute attention que ça méritait à discours ou bien présentation, plat de résistance ça, que nous toujours tendez à certains moments ou bien chaque année dans le spectacle, dans le gala ça. Donc c'est ainsi Valérie Numan que nous t'ai introduit tout à l'heure encore une fois comme un journaliste chevronné de longue date et au niveau analyse et au niveau investigation. Eh bien, nous allons inviter là, qu'on y est là, pour une présentation d'une vingtaine de minutes. Il a assuré nous que nous avons une traduction très courte, ou bien à la fin, en façon pour tout le monde là, qui a sous même longueur d'onde en termes de message là. Mesdames, Messieurs, nous demandons les coordonnées là pour les introduire à nous, Valérie Numan, who will be our keynote speaker for the next 20 minutes, and we will present a very short summary of his presentation at the end of his speech. Good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Dans la programmation, le moment pour m'être venu arriver. Je dis tête qui j'en après le fait parce que tout le monde a mangé. Il y a deux barres qui jouent en faveur. Premier, c'est que je m'en donne chance pour que je sois loin de manger. Et deuxièmement, heureusement, ce n'est pas avec les oreilles que je mange. Donc, tout d'abord, je veux remercier l'équipe qui prend initiative chaque année, et ça fait 14e année, initiative ça prend, 16e année, 17, m'a réduit sur quantité dans nous. Merci pour l'invitation et puis félicitations pour l'initiative. Il est question que moi intervenu sur le rôle nous-mêmes qui est dans la diaspora, nous avons supposé jouer pour aider le pays d'Haïti à développer. Je suis certain que il y a des gens qui contribuent en pile dans aider Haïti à développer. Moi-même, en tant que journaliste, en tant qu'analyste politique qui est intervenu dans la radio et que très certainement nous habitués à attendre ici dans Boston, j'ai toujours fait effort pour que je présente nous la réalité qui vient en haïtien en fonction de lecture PAM et en fonction de souhait que moi-même moi t'a souhaité qu'il fête pour pays capable de sortir dans sa lier. Mais tout d'abord, ma vais faire une intervention en trois points. Premièrement, premier point, c'est qui ça Haïti souhaité que nous-mêmes dans la diaspora nous fassions. Ensuite, qui ça, haïtien dans la diaspora, remet la caille nous? Et finalement, qui ça, haïtien en Haïti, pas remet avec nous? Par qui ça pour me commencer? Est-ce que nous avons connu qui ça, haïtien remet la caille nous, mais qui ça, pas remet avec nous? Ça remet, ça remet. Bon, commencer avec ça, haïtien remet mes préférences. Pour les bails que haïtien remet, et ça m'a dit noir, c'est à partir de l'expérience de directeur d'opinion et de journaliste que m'a dit. Moi, je fais plus que presque 25 ans depuis ma fait intervention dans la radio. Quand je parle avec les leaders politiques, je parle avec les gens qui appelaient pour venir diriger le pays d'Haïti.
Moi, parler avec monde qui gagne un minimum de réussite, de succès dans la politique en Haïti. Moi, parler avec des monde qui échoué en Haïti. Donc, nous d'accord que me parler avec beaucoup plus monde qui échoué. Pour le bagage que Haïtien remet la caille, nous-mêmes dans la diaspora, c'est attachement à pays. Dans le sens que, en pile fois, nous vivons ici, dans quel que soit côté nous, dans la communauté haïtienne, non? En pile haïtien reconnaître que c'est presque que nous qui avons gâché le. Ils ont dit Haïti, ils ont parlé Haïti mal. Il y a un pile de nous qui ont fait colère, nous ne parlons pas de parler de Haïti, mais c'est faux parce que chaque lombard est arrivé en Haïti, chaque lombard est arrivé en haïtien, ça fait nous mal et ça choque nous. Attachement ça, haïtien très reconnaissant avec lui, ils reconnaissent que nous très attachants. Et nous très attachés à Haïti. Deuxième élément que Haïtiens aiment avec nous, c'est le sens de solidarité. Nous. Monsieur d'Ambreville tombé, assurément, c'était dans une démarche de solidarité avec Haïti. C'est certain que nous avons dit si monsieur était ici, il était capable parmi nous, toujours. Mais dans quatre démarches de solidarité avec le pays d'Haïti, il était rendu en Haïti, justement. Et moi, je suis venu ici, je suis rencontré avec lui. Mais étant donné que Bagan a dit que quelques mois plus tard, M. Dapral perdu la ville, mais les gens qui croient ont dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que son nom soit béni. 12 janvier 2010 prouvait qu'il sens de solidarité que nous-mêmes dans la diaspora nous gagnons vis-à-vis de Haïtiens. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui vient en Haïti, toujours il y a des diasporas qui mobilisaient, que ce soit eux-mêmes physiquement, en termes de ressources humaines, ou bien ils cherchaient moyens pour qu'ils aillent aider la CAI. Deuxième élément de solidarité, c'est en pile monde qui a vécu en Haïti, à l'école, c'est grâce à la diaspora, c'est grâce à transfert que nous faisons, que nous voyons. Il y a des gens qui évoluent, qui vivent n'importe quoi dans la vie, c'est grâce à nous-mêmes, c'est grâce à l'effort que nous faisons. Dans ce sens, ça, solidarité, ça, je pense que c'est très agissante et haïtien conscient de ça. Il y a d'autres formes de solidarité que nous-mêmes dans la diaspora nous développons. Par exemple, il y a des communautés qui sont assez réduites, qui sont constituées dans des zones, qui ont fait des activités dans la caille. Exemple, moi, j'allais dans une communauté haïtienne qui est le Turkey and Caicos Island. Moi, je vois des gens réunis et ils ont développé des projets la caille Gomon. En France, il y a une communauté haïtienne qui sortit à Quin. Puis, il faut que regroupé et il fait des activités à Quin. Moi, je suis certain qu'il y a de l'autre côté, type de regroupement ça a fait et il y a des résultats la caillou. Troisième, ça que diaspora fait et que vous remène, c'est sens de générosité sans que nous ne pas attendre un en retour. Solidarité avec générosité, il y a semblé, mais ça arrive quand vous voulez solidaire, mais si vous n'êtes pas généreux, vous n'êtes pas solidaire. Le monde aime bailler, le monde aime partager. Il y a plein de monde qui pas forcément à bien vivre dans la diaspora, mais ça ne va jamais déranger pour que vous contribuiez ensemble, pour vous permettre que y ait des petites familles, des petits cousins, des petites nièces, des petits neveux qui rentrent ici. Il dit, même si c'est un thé, n'a partagé, même si c'est un chicken, n'a partagé. Donc, en termes de générosité, haïtiens sensibles à ça et reconnaissants envers nous. Maintenant, qui ça y reproche nous? Premier bagage que mon en Haïti reproche diaspora, son terme français qui est condescendance.
Condescendance, ça veut dire c'est le au monde estimé que c'est lui qui connaît passer tout le monde. En pile monde qui dans diaspora qui sont ici qu'à évoluer en Haïti, nous voyons qui pas réussi très souvent, c'est justement en raison de ça. En pile haïtien qui garder de l'autre haïtien qui sont ici n'importe côté dans la communauté haïtienne non. Comme là nous sommes ici, ils ont estimé que nous manquons d'humilité. Très souvent, nous avons dit, nous avons parlé de Haïti, en pile de monde contendait que nous avons dit, nous pouvons régler les causes en bas. Nous pouvons mettre l'ordre dans des ordres en bas. Nous pouvons apprendre à faire des choses en bas. Et ça fait que les Haïtiens qui vivent en Haïti sont très jaloux par rapport à ce type de discours. Deuxième élément que vous reprochez la Kainou, c'est que très souvent, nous toujours pensons que si nous vivons un développement en Haïti, nous faisons ça un copy-paste. Dans la tête, nous pensons que nous allons répliquer un bagage que nous avons ici sans que nous n'ayons pas tenu compte de sa réalité sociale haïtienne. Dernière fois, je suis là, je suis une conférence dans UMass Boston. Je vais expliquer que gagner un doctorat dans un domaine n'est pas suffisant pour dire que vous pouvez gérer Haïti avec doctorat. Faites-moi confiance, même si vous avez un doctorat en sociologie qu'on fait aux États-Unis, pour bien évoluer en Haïti, il faut aller faire un certificat. Raison très simple, c'est parce qu'en Haïti, nous avons des gens qui nous approchent des questions. Je vais vous donner un simple exemple que je prends déjà, que je vais prendre pour nous, pas là. Lorsque vous machine ici dans la diaspora, lorsque vous avez machine, la deuxième bagarre que vous faites, vous passez ici de belle. Si vous faites en Haïti, c'est un signe qui a fait au kidnapper. Pour une seule raison. Raison simple, c'est sociologique. C'est parce que à l'époque, le kidnapping était en vogue en Haïti. Les gens qui veillent les gens pour kidnapper, ils suivent l'habitude. Moun qui se spécialiste en sécurité, qu'on est premier bagaille pour gérer, leur parler de sécurité, c'est information. Parce que au moun qui vient attaquer, le premier avantage que le gen sou, c'est que l'icône ou pas qu'on est. Automatiquement, que y a identifié qui moun y a pensé qui t'a supposé gen moyen pour y kidnapper, y a suivi habitude. Y a connu que en Haïti, réflexe haïtien qui vit en Haïti. Pas forcément gagner sociologiquement au rapport avec Sid Bell. Automatiquement que vous faites ça, vous juste mettez en tête que vous ne pouvez pas vivre dans le pays. Et moi-même, en tant que journaliste, investigateur, je suis arrivé à découvrir, ça a pris un temps pour me découvrir que en pile monde que vous kidnappez dans la diaspora, c'est par rapport à l'attitude de la diaspora. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, gros réflexe que en pile nan nous gagne. Moi t'a dit tout à l'heure information fondamentale. L'arrivée ou saute ici ou en Haïti. Moi toujours trouvé curieux que au monde écrit nom, adresse ou téléphone ou sous ma lettre. Chaque mois ça m'a tiré attention monde moi qui fait ça yo. Pour me dire attention c'est un très mauvais comportement. Pour raison simple, les gens qui sont dans la salle d'arrivée, dans la tête pau, ils étaient partis ensemble avant, ils viennent chercher ma lettre, ils obtiennent ma lettre, tout, mais ce n'est pas forcément vrai. Les gens qui viennent dans la salle d'arrivée, ils viennent pour 50 raisons. Automatiquement, quand ils ont une adresse, justement, qui gagne un nom, téléphone ou tout détail sous lui, malheureusement, au monde qui a suivi, justement, a identifié qui doit habiter. Ça, c'est une petite précaution, par exemple, en plus que je pensais que la diaspora a pris.
Mbaldi Mbaye qui est très grave là, je souhaite féliciter nous pour le sens de générosité et de solidarité. Mais des fois, on est victime de ça. Un autre exemple qui a fait victime en Haïti. L'arrivée est porte, en pile fois, il y a des gens qui disent bon, je fais un coup de fil pour me relayer, un monde vient chercher. Les gens qui prennent le téléphone dans la main, là, la fait un coup de fil, là, les relais au monde, mon a tout enregistré numéro de téléphone monza. Coup de fil côté bail là pour le servir ou emmerdement pour puis devant et on saisit dans des monza relo il dit ou t'es rentré saute Boston jeudi a et puis il dit n'importe quoi et il y a des monde kidnappé comme ça tout. M'pas mandé que nous pas généreux, que nous pas ouverts avec le monde, mais quand même, on n'est jamais trop prudent, il faut une vraie précaution dans ça. En pile, nous avons des mauvais comportements. L'un à la banque, par exemple, il y a un pile de monde, nous tendez en Haïti que nous sommes cherchons l'argent à la banque, nous suivons, nous prenons l'argent, nous tirons, nous débarrons comme ça. Mais très souvent, c'est mauvais comportement, nous avons fait ça. Exemple simple. Il suffit que deux Haïtiens en ligne en dans banque là, ils fait 15 minutes, ils ont estimé yo kon l'autre en pile pour partager n'importe quoi avec. 15 minutes en dans banque là fait que yo discuter entre eux et puis expliquer le projet que le gagne. Chaque monde expliquer le projet que yo gagne. Moi j'aime venir prendre 20 000 dollars là parce que mon projet de l'eau va l'ouvrir dans Delmar. Je dis, moi, je viens de prendre 30 000, il va venir prendre un goût. Je viens de prendre 30 000, je vais le mettre en camionnette sur le cafou. Maintenant, quelques minutes plus tard, quitte la banque là. Il y a deux nègres qui ont les âmes sous, qui disent, tu prends 20 000 dollars dans la banque là, non, j'ai le banque. Lorsqu'on dit, c'est la banque là, la combinaison est, il n'est pas forcément vrai. Bon, mauvais comportement que les Haïtiens ont, par exemple, nous allons dans le circuit, on dit, notre dans la banque encore. Lorsque vous faites une transaction à la banque, vous avez besoin de plumes. Puis il faut que les Haïtiens ne soient pas en plumes. Mais les gens qui viennent lui-même à suivre dans la banque, ils ont toujours deux plumes. Parce que si vous prêtez plumes, nous ne pouvons pas faire trop loin à plumes. Donc, au risque de faire une transaction qu'on va faire. Parce que vous prêtez nos plumes, ils ont tout prêt pour la suivre la transaction. Il y a des gens, encore une fois, qui sont victimes comme ça. À un certain moment, mais ça n'est pas arrivé aujourd'hui encore, parce que en pile là, nous qui sommes dans la diaspora, je crois que nous prenons leçon de ça. À un certain moment, il y a un pile là, nous, le nous arrivons en Haïti, nous chantons quant à moi, en pile. Nous battons l'estomac. Nous. Si bien que nous avons une blague sur des gens qui ont vu entrer ici, puisque nous connaissons que ici, il y a un pile l'argent. De vous venir dans la diaspora, vous avez fait un pile d'argent. Et puis, quand on est venu ici, je suis arrivé dans l'aéroport là. Je suis à 20 dollars à terre. Je suis en mixte avec monsieur qui dit, monsieur, mais 20 dollars à terre, pour ne pas prendre. Monsieur dit, non, moi, je me fais venir beaucoup ramasser l'argent. C'était la dernière fois que je gagne 20 dollars tout. Hein. Réflexe que nous gagnons, par exemple, c'est yom daime que nous travaillons sur eux, qui a fait que nous victimes moins. Mais ça, c'est des éléments négatifs, puisque je parlais de éléments positifs tout à l'heure, je parlais de éléments négatifs. Ça, mais ça ne veut pas dire que par rapport à ça que nous-mêmes, nous croyons, nous-mêmes, dans la diaspora, que nous ne sommes pas capables d'évoluer en Haïti. Maintenant, tout reste semble dire à positif pour encourager à l'investir, à évoluer en Haïti. Pour Haïti capable de développer, d'abord, il faut qu'il existe. C'est pour eux, il faut qu'Haïti existe. Exister, vous l'avez dit, il faut qu'il existe physiquement. C'est-à-dire, sur le plan environnemental, par exemple, il faut au moins le pays a continué à exister, continuer à camper. Il y a une pile d'organisations, il y a une pile d'associations qui font un pile d'efforts pour garder
sur le plan environnemental, qui j'en ai aidé pays à Kembe, qui j'en ai aidé pays à camper. Mais il pas suffit, il pas suffit. Il y a parlé en pile de possibilités pour que y ait des campagnes de reboisement qui fait en Haïti pour nous planter pieds bois. Malheureusement en Haïti, nous pas planter pieds bois, nous enterrer. L'on plante un pied bois, faut prendre soin, faut user, faut veiller que le grandit. Mais très souvent l'on fin planter, le pas contre on mettre. Donc on pas contre s'il vivant, on pas contre s'il grandit, on pas contre s'il mourir. Mais 8 fois sur 10 il mourit. À preuve, gardez mon yo, c'est que yo pas grandi justement. Ça c'est sur le plan environnemental, il y a un premier effort. Si me font un sondage dans ça là, m'a demandé 8 monde sur 10 pour qui ça fait que nous pas d'accord retourner en Haïti même si nous retraités. M'a besoin une quantité de monde qui dit c'est pour question de sécurité. Mais puis fort mon a dit c'est pour question de santé. Actuellement Haïti plus gros problème qui fait en pile nan nous pas ka retourner en Haïti c'est pour santé. Raison très simple. Chaque fois que nous avons un check-up pour nous faire, nous sommes obligés de rentrer ici. Parce que la structure sanitaire n'est pas adéquate en Haïti. L'inconvénient en Haïti dans la question de ça, c'est que même lorsque au monde ou t'a fait l'hôpital, c'est seul ou même qui est là-dedans. Mais nous avons aimé encourager que justement, il y a des gens qui ont des possibilités, qui font des structures de santé valables pour que. Leur grand problème, on n'est pas obligé de venir aux États-Unis. Malheureusement, l'exemple devait venir d'en haut, mais nous pas bailler tout le temps. Un président de la République gagne un test pour le faire. Premier réflexe, c'est aller aux États-Unis, venir aux États-Unis. Si on a dépassé, très souvent, pas un gros cas, il a traversé en République dominicaine, ce qui n'est pas sérieux. À chaque fois qu'on problème qui pose en Haïti, solution très souvent pas venue de Haïtiens eux-mêmes. Nous toujours envisager solution à partir de l'extérieur. Et dans le cas ça, il y a des projets moins connus qui essayent de faire sous Haïti. En pile monde qui essaie de faire, ils reprochent le fait que le système politique Haïti fait que il y a des monde qui sont pas capables, non seulement investir, mais deuxièmement, qui pas en mesure faire des programmes pour aider les gens, encore une fois. Raison très simple, parce que très souvent, le nous voter, nous pas voter en fonction de qui programme que le candidat a. Nous pas voter en fonction de qui vision candidat. Nous voter en fonction de moi-même Jean Monsieur Souri, moi-même Monsieur Jean Labillé, moi comme famille Monsieur. Et c'est des réflexes purement sentimental qui fait que chaque fois pour nous faire un choix de raison en Haïti, il est toujours difficile. Exemple, nous avons une élection qui se fait en Haïti. Je ne vais pas trop fond dans la politique. Là. Et ça n'a pas intéressé qui origine politique en quel monde qui là. Moi, j'ai une parole libre, moi, je dis ça, je pense. Donc, une élection qui est faite en Haïti, il y a un peu de monde qui a le voté. Il y a un peu de monde qui n'a pas le voté. Le premier inconvénient, c'est que le premier monde qui a exigé pour que je joue un résultat, c'est le monde qui n'a pas à le voter. Ça, c'est le premier travail que Haïtiens refusaient de faire. À le voter. Lors de l'école, même si professeur ou bien direction de l'école a une volonté pour le couler, c'est extrêmement difficile pour le couler si on fait moyenne 8 sur 10. Cela dit, il y a un pile de monde qui est intéressé à entrer dans la politique en Haïti. Malheureusement, c'est juste entrer dans la logique politique là, mais ce n'est pas parce que justement on croit que vous avez un plan pour Haïti.
Nous sommes parlé de l'indépendance pays d'Haïti depuis 1804, je dis à nous en 2016, jusqu'à je dis à nous pour que les gens font élection pour que les gens ne disent pas bon. Mais en réalité, nous toujours courir derrière qui est. Nous courir derrière les gens qui sont dans le gouvernement, nous courir derrière les gens qui sont dans le conseil électoral, nous refaisons le conseil électoral chaque année plusieurs fois. Mais c'est 9 haïtiens encore n'a pas obligé de mettre là-dedans. N'a pas couru des 9 haïtiens encore, n'a pas remettre 9 haïtiens, n'a pas le même problème encore, n'a pas 9 autres haïtiens, nous remettre encore, il a toujours contesté. C'est parce que le problème là, il est vicié à la base. Effort qui pour fait avec nous-mêmes la diaspora par exemple. En pile fois nous arrivons en Haïti, malheureusement nous pas fait exactement Jean Noué ça y a fait ici ya, et que n'a répliqué même si nous t'a adapté à la réalité sociale pays d'Haïti. Exemple, au cap un haïtien qui a fonctionné bien ici, il suffit que l'arrivée Haïti lui entre dans sens unique là, sans problème. Et m'a signalé nous que c'est pas seulement haïtien, c'est pas seulement nous-mêmes, même des étrangers fait. Même des étrangers qui entrent dans le système haïtien. Malheureusement, ils font en un système panon qui fait que nous avons un résultat ça. Chaque monde qui est dans la diaspora, qui a une volonté, par exemple, pour supporter un candidat, ou bien eux-mêmes, ils portent tête comme candidat, moi, j'ai entendu un peu plein le fait que dit un peu le monde en Haïti par un main que la diaspora impliquée directement dans la question politique pays d'Haïti. Je dis que li oui, mais li non tout. Il y a un peu de monde qui t'a aimé ouais nous impliquer, mais t'a aimé ouais nous commencer par exemple. Exemple, bon la caille pas nous, côté n'a pas évolué dans la communauté, pour que nous suspendions faire que vous critiquez nous, depuis ces haïtiens qui ont côté, tout ça le fait pitié. Vous remarquez qu'en Haïti, après plus que 200 ans, nous n'avons pas un mol en Haïti, pour une raison très simple. Parce que pas nous qui fait l'autre confiance pour nous mettre ensemble pour nous faire mal. Chaque haïtien directeur général a une petite boutique. Ouais. Maintenant, au cas beau expliquer, au cas beau expliquer, Mounio, mais qui j'ai le fait dans le pays blanc, bon mise en commun qui fait. Il y a des gens qui entrent dans le business, ils ne sont pas obligés qu'on l'autre. Ils font l'autre la confiance par rapport au business. Moi, je suis propriétaire d'un hôtel en Haïti. Moi, je gère les clients de façon PAM. Moi, je gère les associés de façon PAM. Mais ça te prend un temps pour me convaincre que bon bagage que nous avons fait ensemble. Mais inconvénient, c'est qui ça? C'est parce que tout simplement, l'œil fait confiance, sous-trahit confiance li, une fois, il pas quitter trahir confiance li, une deuxième fois. Je fini pour demander à la communauté qui est ici. Haïti attend que nous fassions un geste qui est un signal pour nous faire un bagage qui montrait que effectivement, pendant qu'on a critiqué des gens en Haïti qui n'ont pas mis tête ensemble, qui n'ont pas fait ceci, qui n'ont pas fait cela, il y a tant que nous bâillons exemple tout dans la communauté pour nous faire un gros bagage tout nous-mêmes. Le ça, on a venu comme modèle. La presse a parlé de lui et m'a fait mon devoir de signaler que mais une activité, mais un projet que nous faisons ici. Dans la communauté haïtienne. Et là, ça, chaque fois que nous arrivons en Haïti, nous avons quelqu'un comme modèle, comme exemple pour nous vendre. Et là, ça, il y a dit, mais des haïtiens qui réussissent, mon exemple de réussite que vous portez, sorti dans la communauté haïtienne, et vous allez avec lui en Haïti. Les gens qui ne croient pas que Haïti a changé, je vous dis que c'est un droit que nous avons. Mais je dis que pour un pays changer, il faut qu'il y ait des gens qui veulent changer. Il y a un petit pays qui était le Malawi, qui a gagné une disette qui a frappé. Ça veut dire que tu as gagné une famine qui a frappé. Le pays, ça prend 2 ans
pour qu'il soit autosuffisant sur le plan alimentaire et lui exporter excédent de production lui en 2 ans. Pour qui ça ne peut pas faire en Haïti? Nous ne pouvons pas faire en Haïti parce que nous ne pouvons pas décider de faire. Nous ne pouvons pas faire en Haïti parce que les gens qui dirigent Haïti ne peuvent pas croire que nous vision comme ça capable d'atterrir. Nous ne pouvons pas faire en Haïti parce que nous-mêmes, dans la diaspora, nous pouvons aller avec l'exemple ça que nous avons demandé. Nous avons fait partie de l'exemple ça. Nous avons fait la possibilité de parler d'un projet, on l'a tourné là, d'un gros projet que les Haïtiens ont gagné. Même pas forcément pour la faire en Haïti, mais au moins le servir d'exemple ici là. Pour que nous disions, mais des Haïtiens qui mettent tête ensemble, ils n'ont pas seulement abdi que nous n'avons pas de capacité pour que nous fassions des bagages là-bas, mais ici nous avons un exemple. Je souhaite que c'est engagement ça qui t'apprend pour 2016. Hein? Je souhaite que, avec support tout le monde qui est dans la communauté, déjà, il y a un bel effort qui fait, nous avons des Haïtiens qui viennent dans des postes, de grands postes de responsabilité. Bravo pour ça. On souhaite que nous continuions de travailler pour nous arriver plus loin. Vive Haïti, une autre Haïti est possible. Merci en pile pour support nous. Merci en pile pour attention nous. God bless you. Avec moi, mon petit sourire là. Thank you. A few words of wisdom again from Valérie Numa, who touched upon a few points. One of them was why Haitians in Haiti, what Haitians in Haiti appreciate about Haitians in the diaspora. And he did mention, for example, the ongoing commitment that has been shown, the concrete solidarity as expressed, for example, by the actions of an icon such as D'Ambreville, or actions that they shown after the Haiti earthquake. He had a chance to touch upon what Haitians in Haiti may not appreciate about Haitians in the diaspora. And he mentioned, for example, certain behaviors that have to do with being condescending, lack of humility, or the belief that they can come from the diaspora and apply models without the necessary adaptation. We also had a chance to hear about certain situations and circumstances that may pose or cause certain unsafe situations for Haitians who travel in Haiti, not paying attention to those kind of behaviors, whether it's about getting in a car, whether it's about going into the bank to conduct business. I think toward the end, he did mention that it was important for Haitians in the diaspora to be able to conceive, design, and showcase a successful model of an initiative, an enterprise, that they completed here in the diaspora, and they can update or transfer into Haiti. So we hope again that with or throughout those very specific and concrete examples, once again this presentation of our keynote speaker was helpful, and that we'll be able to heed his advices as we travel to Haiti. Thank you again so very much, and I would like a last round of applause for Valérie Numa. Valérie, c'est Malzili, pas une vraiment encore.